Et bien voilà pour cette dernière collection que j'ai à vous présenter de chez Craft O'Clock. J'allais dire on va finir en beauté parce que j'adore, j'adore, j'adore cette collection, ces fleurs, ces roses, ces couleurs pastel. Donc là, voilà la couverture avec des roses. C'est très, très joli. Alors là, il n'y aura pas grand-chose à rajouter sur la couverture de l'album hein, parce que c'est vraiment magnifique. Alors les papiers, pour les papiers... Donc, c'est la collection Vintage Treasure. Alors, hop là. Donc, on a ici, donc, vous l'avez bien constaté, tout un tas de roses. Alors, on a plein de tags de tailles différentes. Un petit livre là. Des étiquettes, plein d'étiquettes, des petites fleurs. Voilà pour ça. Ensuite, on a cette page avec... Des roses sauvages ou des églantines, je ne sais pas trop. Oh, ça, j'adore. C'est tout léger, c'est tout doux comme fleur. Oh, c'est beau. Les pétales de rose. C'est très joli. Oh là là. Donc là, on est dans un vert. C'est pas tout à fait un vert amande. Ça fait un peu. Oui, un peu émeraude, mais très très délavé en fait. Ensuite, on a cette partie-là, cette feuille-là. Les motifs sont magnifiques. Là, c'est mon coup de cœur, celle-ci. Oh, même si je les trouve toutes les quatre très jolies, ces collections. Alors, celle-ci, le texte comme ça, le journal, ça, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, hein, vraiment, je suis fan. Alors, voilà, une dans les tons un peu plus marron-beige. Des partitions avec des roses par-dessus. Ici, on a encore les roses et les églantines. Ah là là, je pense que vous allez aimer aussi. C'est très très joli. Très 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 joli. Celle-ci est un peu plus flashy, ça fait jaune orangé. Ça fait presque or. On finit avec une belle, un bel ensemble là de roses face à face. C'est très joli, très 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 joli. Oh là 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 là, oh, ça j'adore aussi. Ouh là 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 là, mais que c'est beau tout ça. Donc on a pareil le Junk Journal. Allez, je vous montre. Donc les pochettes, pareil. Donc les pochettes, ah c'est pas la même celle-ci, tiens, elle est bizarre celle-ci parce qu'elle a des onglets sur les quatre coins, donc je sais pas trop comment ça se met ça. Alors là, ah oui, donc alors cette partie-là doit se rabattre, celle-ci aussi pour être collée. Et après on a ces deux onglets là, donc peut-être qu'on fait passer des choses des deux côtés. Bon, c'est une option, il faudra tester. En tout cas, c'est très joli. De l'autre côté, nous avons, hop là, je pense que c'est là. Alors là, en fait, il y a un fond imprimé et derrière, il y a trois fonds différents imprimés pour faire comme des cartes postales. Ici, on a des pages à onglets arrondies. Et des petits tickets, une belle imprimée à l'arrière aussi. Ici on a, hop là, une pochette, des papillons, voilà des beaux embellissements. Ici on a encore des papillons, donc vous pouvez les coller en 3D ces papillons, puisque vous avez plusieurs tailles, vous en avez encore des plus petits ici. Regardez-moi si c'est beau toutes ces étiquettes. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, dans vos commandes, quand vous prendrez ces collections-là, vous aurez avec une planche d'embellissement offerte à découper pour décorer encore vos albums. Celle-ci est super belle aussi. Voilà, on a les pages du carnet là qui se plient. Et encore une petite page et des fleurs pour faire joli. Donc ça, c'est pour les embellissements du Junk Journal. Après, moi, je vous ai sélectionné au niveau des encres. Eh bien, là, donc toujours le vert de gris, là. Celui-ci, il va aller vers Oasis. Il va aller avec presque toutes les collections.
Le pixie dust, c'est le rose poussière d'étoile. Vous l'avez sûrement déjà parce qu'on a fait plein de choses avec. Donc ça va super bien avec. Celle-ci, là, le vert aloe vera. Le vert aloe vera, ça fait un ton plus clair. Donc ces encres à la craie, ça fait comme des couleurs un petit peu cassées. Donc ça va pile poil avec et toujours la couleur blé. Voilà, donc ces teintes-là, vous avez... Voilà, si je vous montre sur la couverture les couleurs, on est bien. C'est super joli. Ça. Après, je vous propose un embellissement ces dots de chez Prima. Donc là, vous avez les teintes aussi qui vont super bien. Celle-ci à la feuille d'or. Ces deux teintes-là, les roses et puis les verts pâles sont mates. Enfin, elles sont... mat, comment dire, elles ne sont pas pailletées, elles sont pas mates, hein. Elles sont brillantes, mais elles ne sont pas pailletées. Et en pailleté, vous avez le gris et le jaune, enfin jaune beige avec la feuille d'or dedans. Donc celui-ci, c'est la référence 647-858. Je vous ai sélectionné aussi des rubans avec, vous les avez peut-être déjà pris aussi pour un album qu'on a fait avant. Donc là, vous avez trois couleurs aussi qui s'accordent super bien. Il y a les cardstock assorties également en A4 et en 250 grammes de la même marque. Vous avez aussi chez Crafter Compagnon les rubans en organza. Donc vous avez ces teintes-là qui s'accordent avec. Le bleu, non, mais avec les autres collections, oui. Et ensuite, les petits napperons dentelles. Ça, vous pouvez encore jouer avec si vous en avez pris pour d'autres albums. Et les petites fleurs aussi en vert grisé de chez Craft Consortium, les petites roses. Voilà. Là, ce sont les dernières qui me restent en boutique, celles-ci. Donc, ces couleurs vert canard, ils appellent ça vert canard. Mais en fait, c'est plus, vous voyez, vert... moi, j'allais dire vert de gris, quoi. Voilà. Voilà pour cette jolie collection. Eh bien, celle-ci, c'est ma préférée des quatre. Hein. Voilà. Vous l'aurez peut-être deviné, vous commencez à connaître mes goûts maintenant. Voilà, et eh bien, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Déjà que je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube, sur le blog aussi, scrapmerveilleux.com, et sur la boutique, scrapmerveilleux.fr, sur Instagram, sur Pinterest aussi. Voilà, je vous vois passer de temps en temps. Quoi d'autre? Eh bien que je suis très contente de partager tous ces bons moments avec vous. Et je vous retrouve lundi pour notre album en live, Frosty. Donc on commencera la première partie de l'album. Et voilà, voili voilou. Donc je vous fais un petit coucou et vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.